comme pour tous les invités qui sont déjà venus, je suis obligé de gratter la toile pour trouver des choses différentes. J'ai et, hâte. Et en même temps, ça permet de mieux vous connaître. Alors, première rumeur. Contrairement à votre image de battante et de femme déterminée, vous seriez dans la vie timide, peu sûre de vous, et vous pouvez même perdre vos moyens dans la vie quotidienne. Oui, j'ai un endroit de timidité absurde, mais vraiment absurde et disproportionné pour acheter une baguette de pain, par exemple. Une boulangerie, oui. J'ai des endroits de timidité très étranges. Mais vraiment des choses qui ne posent de, je sais pas, moi, qui posent de problème à personne ou qui soudainement vont me tétaniser. Ouais. Et si vous achetez autre chose qu'une baguette? Non, mais c'est pas la baguette. Ça, c'est la boulangerie. Entrer dans la boulangerie. C'est entrer dans la boulangerie. C'est une métaphore. Oui, métaphore, d'accord. Comprends. Deuxième rumeur. Vous seriez très tête en l'air et un peu distraite. Et ça peut même vous jouer des tours, surtout si vous roulez en scooter. Mais elles sont bonnes, ces infos, quand même. J'ai des gros dossiers, quand même. Ah oui, ah bah oui. C'est-à-dire que des fois, je suis en scooter depuis 15 ans maintenant. Et des fois, je me dis, alors là, ça fait un quart d'heure que je suis en pilote automatique et que je suis en train de penser à autre chose. Donc tout ça pour dire que c'est pas facile d'être concentré. Oui. Troisième rumeur, vous feriez beaucoup de sport pour ne pas avoir à vous priver de boire, de manger à votre guise avec vos copines. Oui. Ben oui, c'est-à-dire que la vie ne vaut pas d'être vécue si vous ne pouvez pas boire un bon verre de vin et bien manger, surtout quand vous habitez la France. Donc ça me coûte beaucoup moins de faire du sport parce que j'aime ça. C'est bien. Et alors, il paraît qu'en faisant votre sport, eh bien, notamment du vélo, vous perfectionnez votre anglais en regardant des séries non sous-titrées. Mais ça, oui, parce que j'assume. Non, mais j'assume pas de faire vraiment juste du sport pour le sport, qui est quand même, je me vois un tout petit peu de l'extérieur, je me dis, oh merde, c'est quand même bon. Et du coup, je me dis, bon, maintenant, mais ça va, du coup, je fais autre chose en même temps, c'est-à-dire que je suis pas complètement focalisée sur l'effort, parce que moi, le vélo, au bout d'un moment, oui. C'est un peu. Oui, voilà. Donc, vous mettez une série où vous regardez un film en anglais non sous-titré, et vous avez l'impression, comme ça, d'apprendre l'anglais. Ouais. Il paraît que votre péché mignon, c'est le gâteau au chocolat. Ah bon? Oui. Oh, il y en a plein. Il hein. Y a pas que ça, mais restons sur le gâteau au chocolat, c'est très bien. Vous savez le faire. Et je suis assez forte en pâtisserie, ouais. Ouais, pas mal. Puis personne ne viendra vérifier, donc moi j'ai envie de dire, je suis hyper balèze en pâtisserie, et puis voilà, quoi. Et vous seriez fan de bricolage et une habituée du rayon bricolage du BHV. Oh bah ça c'est pour draguer. Alors je suis fan de bricolage. Non, il y a une vraie satisfaction d'avoir fait le truc soi-même, d'avoir. Mais bon, il y a une étagère qui m'a lâché il y a deux jours. J'y étais encore samedi. Samedi, vous étiez. Mais le samedi après-midi, viennent en famille, c'est pas le bon moment. Non, faut pas y aller samedi. Samedi, faut y aller en semaine. Mais je travaille. Il y a trop de monde, on peut pas être opéré. Et alors, vous cherchez des tournevis? Je cherchais un robinet flexible. Je cherchais un robinet flexible. Oh non. Je suis désolée. C'est ma vie, c'est tout. Dans la boîte à outils de papa, c'est très difficile maintenant à trouver. Ah oui. La boîte à outils de papa ou le robinet flexible. Je vais vous en présenter, Daniel. D'accord. On est toujours au même sujet. Pas trop quand même. Il paraît que vous rêveriez, Audrey, de vous réincarner en Matahari. Alors bon, j'ai déjà jamais rêvé de me réincarner, hein, mais oui, non, c'est un personnage que j'aimerais bien jouer, c'est formidable comme personnage. Et c'est elle qui a dit en mourant, et dire qu'ils vont m'avoir pour 12 balles. Oui. vous aimez les sensations fortes, il paraît le parapente, l'ULM, et vous aimeriez bien jouer une parachutiste. Alors, oui, c'est beaucoup. Voilà, c'est-à-dire toute ma carrière est orientée vers cet objectif. Jouer une parachutiste une fois dans ma vie. Moi, je m'en fous de tout ce qui est César, Oscar, tout ça. Je m'en fous. Moi, je veux juste jouer une parachutiste. Et puis, c'est pas tout ce qui compte. C'est un rôle muet, hein. Oui. Et on voit de loin en général. Hein. Ah, j'adore. C'est dur les gros plans. Elle m'a bien pris au piège. Je trouve ça très bien.